Le personnage principal, c'est cette femme en rouge que vous voyez sur la droite, qui est en fait la baronne Augustine Gros, qui était l'amie de Louise-Joséphine Sarrazin de Belmont. Et comme c'était son amie, elle a eu envie de faire ce tableau-là pour lui rendre hommage. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle vit de sa bourse à des mendiants, elle leur donne de l'argent. Donc c'est véritablement une allégorie de la charité ici. Donc il y a certes un souci topographique, une volonté de nous parler d'une géographie très précise, mais on est aussi dans un tableau empreint de romantisme, parce qu'il y a cette histoire de charité qui est très sentimentale, il y a ce rapport d'échelle qui est propre au romantisme aussi, avec des personnages qui sont tout petits dans une nature immense, et surtout c'est important de vous dire qu'à l'époque, on ne fait pas un paysage tout seul. Il faut toujours le justifier, il faut toujours l'argumenter. Donc en fait, le paysage, c'est un prétexte pour nous parler de cette femme en rouge qui ressort parfaitement bien dans le bleu du tableau. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.